bonjour. Hey, Ranger Darren. C'est pour qui? Hey, bonjour, Ranger Maddy. Ravi de te rencontrer officiellement. Ça, c'est pour notre nouveau bébé brachiosaure, Winston. Et c'est moi qui lui ai donné ce petit nom. Peut-être qu'on devrait lui trouver un autre nom. Pourquoi tu n'aimes pas Winston? On dirait pas un nom pour bébé dino. Pourquoi pas Ellie? Jurassic Park, ouais. Ellie? Eh bien, continuez à chercher. Moi, je vais aller le nourrir. On peut venir avec toi? Ouais, j'ai trop envie de le voir. Oh non, ça ne prendra qu'une minute. Il faut s'occuper de ces blasters et les ranger correctement. Nous avons eu un problème lors de notre dernière aventure. Il faut les nettoyer et les tester pour être sûr qu'ils soient en bon état de marche. D'accord. Compte sur nous, Ranger Darren. Super, je serai de retour en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Ah, te voilà. Prêt pour le petit-déj, bébé? C'est de la nourriture pour brachiosaure de qualité juste pour toi. Et voilà. Allez, mange. Vas-y. Winston, serre-toi. Mange ton repas. Allez. C'est de la nourriture de qualité, tu sais. Une cuillère pour papa. Ouvre bien grand le museau, j'arrive. Coucou. Je rêve où tu viens de me jeter de la terre. C'est pas très sympa. Ça va durer plus longtemps que prévu. Hey, mais qu'est-ce que c'est que ces manières? Winston, reviens ici. Attends. Ok, blaster tranquillisant, propre. Maintenant, ils sont extra brillants. Ouais. Tu penses qu'on devrait aller voir ce que fait Ranger Darren? Il est parti depuis un moment. Non, c'est juste un bébé brachiosaure. C'est pas très compliqué. Pour lui, ça peut être très dur. C'est vrai. S'il n'est pas revenu dans quelques minutes, on ira voir s'il va bien. Deal. Oh, regarde ses jumelles. Oh. Allez, Winston, où es-tu? Oh, te voilà. C'est l'heure de manger. Ton repas est prêt. Hey, ça a l'air bon. Si tu manges, tu auras une friandise, promis. Super délicieux. Oh, non, non, non. Oh, il ne veut pas manger. Je ne comprends pas, je n'ai jamais eu de problème pour nourrir les dinos auparavant. Mais c'est sûrement parce que c'est un bébé dinosaure. Peut-être que les bébés dinosaures ne m'aiment pas, mais tout le monde m'aime. Écoute-moi bien, Winston, tu vas... Winston? Winston? Winston! Bon sang, Appel à tous les Rangers. J'ai besoin de renforts. Ce bébé dinosaure est très difficile à gérer. Je répète, j'ai besoin de renforts. Je crois que j'ai perdu le bébé brachiosaure. Je le savais. Je veux dire... Bien reçu, Ranger Darren. On arrive tout de suite. Bon, vérifions que la clôture soit en marche. Ok. Bien. Allons les rejoindre. Je suis vraiment nul comme babysitter dino. Oh, enfin! Il faut que vous m'aidiez à trouver ce bébé dino. Il ne veut rien manger et il n'arrête pas de s'enfuir. Laisse-moi faire! Je fais la même chose avec ma petite sœur tout le temps! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'arrive! Ok, si j'étais un bébé dino, où est-ce que j'irais? Là! Oh,
Regardez, le voilà. Winston. Je crois qu'il n'aime vraiment pas ce prénom. Et si on essayait? Lucas? Ouais, je trouve que ça sonne bien. Viens ici, Lucas. Quelle bonne nourriture. Il mange, enfin. Ouais, vas-y, Lucas. Cool, bien joué, Maddy. Du vomi de bébé. Ça sent pas la rose. Mais où est Lucas? Quoi? Oh non, pas encore. Où est-il parti? Oh non, le pas de la clôture est éteint. Il a dû s'enfuir en passant en dessous. On ferait mieux de se séparer pour le retrouver. S'il tombe sur un carnivore, il va avoir de gros problèmes. Ok. Tu veux que je chante une chanson? Les bébés aiment bien ça. Lucas avait un petit agneau, petit agneau, petit agneau. Lucas avait un petit agneau, blanc comme neige, il est... Hé, hey, je chantais pas pour toi, je cherche Lucas. Ok, une chanson de plus et je m'en vais. À la fin de ma phrase, j'aimerais bien qu'il soit là. Retourner au camp de base, je n'oserais pas sans Lucas. Allez les jumelles, aidez-moi! Pas de dino ici. Peut-être que je devrais faire le bruit d'une maman brachiosaure. Ça ne semble pas marcher. Peut-être que Ranger LB saura comment pister des dinos. Hey, salut Ranger Archer. Salut LB. On est à la recherche d'un bébé dino. Tu n'aurais pas quelques conseils à me donner? À part les caméras de sécurité? Je suis dans l'enclos des spinosaures, donc je ne veux pas être vue non plus. Attends une minute, on a déjà vécu ça. Camouflage! Oh ouais, camouflage! C'est une super idée. Cool. Et voilà. Impeccable. Ça cache le dinonator parfaitement. Allez, un peu plus de camouflage. Ouais. Couvre-toi avec, ok? C'est parti. Ok. T'es prêt? Ouais. Allons chercher maman T-Rex. Ok, c'est parti. Accroche-toi. Oh ouais, c'est vrai, le filet de camouflage. Super idée. Dépêche-toi, sans perdre le téléphone. Ah, Spinoza! Je suis prêt pour ton vomi cette fois. Ah, te voilà. Je suis bien équipé, mon petit. Que fais-tu dans l'enclos des allosaures? Je veux que tu sortes de... Oh, tu ne vas pas m'écouter. Appel pour tous les rangers. J'ai trouvé Lucas. Nous sommes dans l'enclos des allosaures. Rejoignez-moi vite. Il semble n'écouter que les enfants rangers. Enfin, vous voyez, Lucas est juste là, mais il faut qu'il avance jusque dans l'enclos des herbivores. Allez, Lucas, viens par ici. Allez, je sais, je vais chanter. Lucas avait un petit agneau, petit agneau, petit agneau. Lucas avait un petit agneau. Ouais. Ouais. Oh oh. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne marche pas. Parce que c'est déjà allumé. Allez, descends cette clôture. Oh non, Lucas s'en va.
Vite, Ranger Darren, chante! Ne me demande pas ça, je chante vraiment comme une casserole. Je sais, mais essaie quand même. Lucas avait un petit agneau, petit agneau, petit agneau. Ça a marché! Mais il déteste ta voix. Oh, vite, remets la créature, maintenant! Ah C'est réparé. Lucas est en sécurité. Ouais, mais on devrait y aller avant que tu ne fasses tomber la télécommande à nouveau. Ah, tu as raison. Direction le camp de base. Ah ! Pourquoi est-ce qu'on crie ? Ah, les bébés, c'est beaucoup de travail. Oui, c'est clair. Journal de mission. 6, rapport 12. Les bébés dinos sont aussi difficiles à gérer que les bébés humains. Donc, faites attention et préparez-vous à courir beaucoup et à recevoir du vomi sur la figure. Je suis content que Lucas soit en sécurité. Moi aussi, mais... Mais quoi ? On n'a pas fini de le nourrir. Je suis si fatiguée et il est si pénible. Ok, j'y vais. T'es sûre ? Ouais, il adore ma voix. Je peux le gérer seul. Mais juste au cas où... Ce vomi de bébé va loin. Je suis à deux doigts de vomir, là. J'ai eu du vomi dans le nez, et dans la bouche, et dans les oreilles. Il me faut un coton-tige.